vous tiennent pas seulement au télé, vous tiennent ce qui va au téléphone. Elle vous écoute. MRC. Changeons l'avenir dans la paix. MRC. Changeons l'avenir dans la paix. MRC. Victoire. Jusqu'où? À être dit. En passant par où? Au télé. En passant par où? Par au télé. Avec qui? Avec les jeunes. Avec qui? Avec les femmes. Avec qui? Avec les hommes. Et je vous dis tout de suite que nous irons à Étouzi. Je suis heureuse. Je suis très heureuse. Je suis très émue de voir toute cette population qui s'est déplacée pour venir affirmer son engagement au sein du MRC. Bravo. Je suis émue et je suis touchée par tout ce qui a été dit depuis que nous sommes là. Nous comprenons que les jeunes ne sont pas ici pour une partie de plaisir. Ils ne sont pas là pour faire des foules. Ces populations ne sont pas venues faire foule. Elles ne sont pas venues applaudir comme on le voit souvent ailleurs. Elles sont venues dire, nous entrons dans le MRC pour changer l'avenir dans la paix. Et oui, c'est ce changement que nous apportons. Donc on vous a dit que non, le MRC n'est pas implanté dans tout le Cameroun. C'est faux. Contrairement à cette affirmation-là, il est clair que ceux qui pensaient que le Cameroun et certaines parties de ce pays, notamment la Mofuakono, étaient une chasse gardée du parti au pouvoir, se sont trompés. La Mofuakono n'est la chasse gardée de personne. Je le redis ici, nous n'allons pas nous arrêter là. On n'a même pas pensé un seul instant que nous le ferons. Il y a un an, c'était impossible. Eh oui, c'est vrai. Eh bien, un an après, nous voici. Nous voici donc à Otélé. Oui, nous sommes à Otélé. Je ne serai pas longue. Je vais féliciter toute cette équipe qui nous a accueillis. Je vais féliciter ces jeunes, ces femmes et ces hommes qui se sont engagés ouvertement et non officieusement. Nous sommes un parti légal et nous ne fonctionnons pas sous-marin. Nous fonctionnons au vu et au su de tous. Alors ceux qui sont fâchés vont seulement continuer à se fâcher. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous distraire, continuez encore de rêver. Nous sommes indistrayables. Ceux qui pensent qu'ils peuvent encore nous menacer, continuez à menacer. Nous allons avancer. Ceux qui pensent qu'ils vont nous tomber, continuez à faire vos plans. Nous serons toujours debout. Le président national viendra vous rencontrer. Il viendra pendant la campagne et il vous dira son projet politique, son programme politique et son projet de société. Nous ne sommes pas en campagne. Que les tricheurs qui ont ouvert leurs oreilles là pour venir entendre rentrent déjà parce qu'ils n'entendront rien. Nous sommes venus installer les unités de télé. Et nous annonçons de futures installations pour les autres arrondissements, pour les autres groupements, pour les autres villages. Ne vous inquiétez pas, nous viendrons à vous. Et en attendant que le président national vienne, nous voulons savoir et être sûrs de pouvoir compter sur vous, sur la jeunesse, sur la femme, et sur les hommes, pour sortir Otélé et ses villages du désenclavement,
pour sortir Otele et son village de l'obscurité. Pour sortir Otele et son village de ces projets qui sont fabriqués dans les bureaux et qui n'ont jamais été réalisés. Pour sortir ces jeunes et ces femmes du chômage qui les tue et les détruit tous les jours. Nous viendrons. Et une fois au pouvoir, nous ne vous décevrons pas. Nous sommes là à Otele et nous sommes sûrs d'une chose. C'est ce que je vais vous dire. Le MRC, dans la neuf fois qu'on a, le MRC à Mbankomo, le MRC à Otele, le MRC à Ngoumou, à Mboutou, à Edeya, à Bikor, à Mom, le MRC est dans tout ce Cameroun, chez lui. Et parce qu'il est chez lui, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les membres du directoire qui m'accompagnent. Chez nous, nous ne marchons pas seuls. Merci, chers membres, pour cette journée merveilleuse. Vous aurez pu aller ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, des meetings se passent partout dans ce pays. Et le directoire a tenu à être représenté partout. Mais j'ai la meilleure équipe avec moi. Alors, nous attendons, et vous avec moi, nous attendons toujours de cette jeunesse, de cette population, qu'elle demande au RDPC, qu'elle demande au régime d'IA de nous rendre compte de ce qu'ils nous ont promis. Nous attendons qu'ils nous disent ce qu'il arrive à nos prêtres assassinés. Et je vais prendre un instant avec vous, un instant de silence, pour qu'on pense à cet évêque sur qui la lumière sur l'assassinat n'a jamais été faite. Que le RDPC, le régime au pouvoir, nous dise pourquoi nos prêtres sont assassinés quand ils essayent seulement de s'opposer à ce qui se passe dans ce pays. Merci. Alors, je vais chuter par là. Je vais chuter par là et je vais appeler la population de Télé aujourd'hui à prendre en main son destin. Arrêtez de penser que les décisions des autres doivent peser sur vous. Vous avez votre mot à dire dans ce pays, dans cette république, dans cet arrondissement. Vous avez votre mot à dire dans ce village. Il est temps, parce qu'il y a un temps pour tout, il est temps que nous prenions tous nos responsabilités, que nous prenions notre destin en main, que nous prenions le destin de Télé en main, que nous prenions le destin de Ngoumou en main, que nous prenions le destin de la meuf qu'on a en main, et même que nous prenions le destin de notre Cameroun en main. Qui nous dira que les gens de Télé ne peuvent pas aussi diriger ce pays? Il y a combien de ministres ici? Pourquoi vous ne fréquentez pas? Il y aura un ministre de Télé. Avec le MRC au pouvoir, nous aurons un ministre à Télé. Parce qu'au Télé, il a droit. Nous ne pouvons pas avoir des personnes intelligentes et intellectuelles qui se sacrifient jour et nuit pour faire des études. Et que cette intelligence devienne subite une fois qu'on est entré dans le RDPC et qu'on est au pouvoir. C'est impossible. Cette duperie a assez duré. Il est temps pour le changement. Nous apportons ce changement et nous attendons. Nous attendons des jeunes qu'ils entrent dans ce train de la renaissance. Il n'y a que ce train. On l'appelle le train de l'heure. C'est le seul train pour le moment parce qu'il est plein d'espoir qui peut redonner le sourire sur chaque visage des Camerounais.
Je pèse mes mots et je suis sûr de ce que je dis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alignons-nous derrière le MRC. Alignons-nous derrière notre président, le professeur Maurice Kamto. Alignons-nous dans ce train de la Renaissance et changeons ce qui se passe dans ce pays. Allons au vote, contrôlons notre vote. Disons non à ce régime et imposons-lui de nous rendre des comptes parce qu'ils doivent nous rendre des comptes. Merci beaucoup.